Pour cette année 2023, c'est autour du thème la violence exercée contre les journalistes, l'intégrité des processus électoraux et le rôle du leadership public. Une thématique à plusieurs dimensions qui reflète parfaitement le contexte tchadien en transition politique. Dans sa marche vers le retour à l'ordre constitutionnel, notre pays connaîtra notamment toutes les élections référendaires présidentielles, législatives, sénatoriales et communales durant les mois à venir. Le rôle des professionnels des médias est crucial. Mais seulement si les journalistes parviennent à exercer librement leur rôle, sans entrave, sans violence exercée contre leurs personnes et leur matériel de travail, dans un contexte économique idoine et avec des lois qui les protègent ainsi que le pouvoir qui les sécurise. Le bureau exécutif de l'UJT en appelle donc à une confraternité agissante, à des réflexions plus approfondies, à des actions concrètes, à des initiatives plus objectives, à une synergie d'actions inclusives dans l'intérêt de tout notre corps de métier. C'est à cela et seulement à cela que nous puissions ensemble poser les bases solides pour mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes ici ou ailleurs. Le contexte actuel de la transition politique met le média tchadien et les journalistes devant leurs responsabilités sociales et devant leur rôle de quatrième pouvoir, ce qui exige qu'ils jouissent de leur liberté d'agir et qu'ils bénéficient d'une couverture sécuritaire et de protection suffisante pour mieux jouer leur partition.